Vous êtes une jeune fille intéressante, n'est-ce pas? Je me demande si vos amis soupçonnent votre vraie nature. Qu'est-ce que vous insinuez, au juste? Oh, tout vous sera révélé. Un jour. Je peux vous ouvrir cette porte. Encore à Gavin? Nous n'avons pas le temps pour les politesses. Je pense avoir percé l'identité de Bélial. J'y suis presque. Mais il y a une chose que vous devez savoir. Pour trouver le sang de Kulle, vous allez devoir traverser l'aqueduc. Il y a deux leviers qui en contrôlent l'entrée sous la chute d'eau. Est-ce que vous avez fini par trouver Bélial? Pas encore, mais j'ai quelques idées. Ce n'est pas facile. J'ai beaucoup de conseillers et toute une suite autour de moi jour et nuit. Mais je vais le trouver. Quelle magie est-ce que vous utilisez pour vous projeter ici? Il me surveille de près. Je ne peux pas quitter le palais. J'ai volé une amulette à l'ambassadeur des Vis Jureille. Je l'avais déjà vu l'utiliser. Mais je n'ai pas beaucoup de temps. Vous devez trouver la pierre. Je m'occupe de Bélial. L'air est pestilentiel. Il y a un combat qui s'annonce. C'est Bélial. Tant qu'il vivra, Caldeum sera en état de siège. Oncle Descartes avait une théorie. Il disait que les seigneurs démons faisaient naître des démons dans leur sillage. De la même manière que nous laissons des empreintes de pas. Et vous y croyez? Oui. Plus j'étudie les livres de mon oncle, plus je me rends compte que même moi je sous-estimais son savoir. Les aqueducs de Caldeum furent bâtis sur ordre du Conseil du Consortium des Marchands après la découverte de l'oasis de Dargur il y a 3 siècles. Bien que la ville ait connu la prospérité depuis de nombreuses années, un approvisionnement continu en eau lui permit de croître encore. De luxueuses fontaines publiques furent aussi construites pour fournir de l'eau potable à toute la population. Partir à la recherche de reliques perdues avec oncle Descartes, ça me manque. Même si ça avait des côtés dangereux. Vous n'imaginez pas combien de fois il a fallu que je le traîne moi-même hors de portée d'une armée de squelettes. Juste parce qu'il était complètement absorbé par les détails d'une vieille tapisserie tout cireuse. Je ne sais où. Et voilà pour le premier levier. Le philosophe Cadus disait « Si tu veux tout savoir sur une ville, ne cherche pas plus haut que ses fondations. » Si je comprends bien, tout Caldeum grouille de démons et sent la pourriture. Oui, Et elle est aussi bâtie sur des secrets. Vous repensez parfois à ce qu'a dit Alaric? Que vous êtes un Nephalem? On m'a donné beaucoup de noms. Je ne leur accorde pas beaucoup de valeur. Je crois qu'il pourrait avoir raison. Vous avez quelque chose de spécial. Ce passage doit mener au sable désolé. Une porte secrète dissimulée derrière une chute d'eau. Quelle imagination! Et vous feriez mieux? Vous verrez quand nous atteindrons mes archives. Quelqu'un? Eh oh! Il y a quelqu'un? Et là, vous êtes toujours vivante? Ou est-ce que c'est juste les monstres qui font du bruit? Si vous êtes vivante, dites oui ou frappez dans vos mains. Merci de m'avoir libérée. Je commençais vraiment à trouver le temps long là-dedans. Je suis à la recherche d'un creuset magique dont la légende dit qu'il est caché dans ses aqueducs. Il ferait belle figure au milieu de ma panoplie de bijoutiers. Aidez-moi à le trouver, et vous aurez mérité ma reconnaissance éternelle. Oh, mais je manque à la politesse la plus élémentaire. J'en ai oublié de me présenter. Je m'appelle Shen le Cupid. Celui qui t'a donné ce nom ne devait pas te porter dans son cœur. Comment? Mais tout le monde m'adore. Le vieux Shen n'a aucun ennemi. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi mon jeune associé m'a tapé sur la tête et enfermé ici. Cet endroit est plutôt dangereux sans un guide compétent. Et le guide, ce serait toi, c'est ça? Oh oui, je pourrais vous faire faire chaque du monde sans jamais trébucher sur la moindre brindille. Oh, quel endroit fascinant que celui-ci! Oh, regardez cette magnifique architecture! Vous pourriez faire le tour du monde sans jamais en retrouver d'aussi belle. Je me demande vraiment où mon jeune guide a bien pu passer. Il s'appelait Gavin, je pense. Oui, c'est bien ça, un gentil gamin. Il ne peut pas être bien loin, ou alors peut-être qu'il s'est perdu. Nous ne sommes pas perdus, n'est-ce pas? En fait, me retrouver enfermé dans un tonneau était une expérience très enrichie. Le creuset, il est à moi. Fais attention, Gavin, il est peut-être piégé. Je suis sûr qu'il est parfaitement inoffensif. Ramassez-le, allez-y. Pauvre gosse. Si j'avais su que le creuset était piégé, je ne lui aurais jamais demandé de me suivre. Si vous venez me rendre visite à Caldeum, je vous montrerai comment ce creuset peut combiner des fragments de bijoux. Vous savez, je suis à la recherche d'un joyau bien particulier depuis très longtemps. Je ne suis pas pressé, mais si je vous accompagne, peut-être que je le trouverai, tout comme j'ai trouvé ce creuset. Puis-je vous accompagner dans vos voyages et créer des chefs-d'œuvre de joaillerie pour vous? D'accord. Essayez de ne pas déclencher de catastrophe. La sortie n'est plus très loin. Je meurs de faim. Vous pensez qu'on trouvera quelque chose de comestible dans le coin? Oh, il y a quelques carcasses en décomposition ici ou là. Quel vous croyez-vous qu'elles sont? J'ai entendu parler de nombreux mets exotiques parfaitement exquis, et j'en ai goûté une bonne partie au cours de mes voyages, mais... Oh, vous n'étiez pas sérieuse. Continuez, moi je rentre en ville. Il faut que j'apprenne l'incantation pour reconstituer le corps de Kulle. Je vous retrouverai à l'entrée des archives. Vous et moi, nous sommes pareils. Mais les autres, cet ange tombé des cieux et la vieille sorcière, vous utilisent pour satisfaire leurs propres ambitions. Vous choisissez d'être une marionnette entre leurs mains. Mais le pouvoir que vous confère votre lignée pourrait faire de vous une déesse. Pour vous, comment se passe toute cette belle divinité? Nul besoin d'être narquoise. Bientôt, j'arpenterai à nouveau ce monde, et alors, je vous montrerai de quoi est capable un Nephalem. Les archives sont enfouies sous le désert, peut-être même sous le sable que nous foulons en ce moment même. Les Oradrim ne pouvaient pas les détruire. Ils ne purent qu'en refermer les portes derrière eux. Et je détiens les clés. Dans des milliers d'années d'archives, je n'ai pas trouvé mention d'un seul cas de prisonnier ayant survécu à l'exil dans les sables désolés. Ce désert est jonché d'ossements, nettoyé de toute chair par les faucons de sang en chasse permanente ou par des lacunies aux abois. Ceux qui meurent dans cet enfer s'en vont sans le secours de la lumière. Là, je perçois la présence de mon sang non loin d'ici. Ils en ont caché de l'autre côté de ce portail. Je gagne en puissance.